Passons maintenant à la création du fond de la tasse. Pour ce faire, je vais utiliser une autre méthode de sélection des points. Si on se rappelle bien, pour sélectionner des points tout autour d'une surface, j'ai cliqué au milieu de deux points en pressant la touche Alt, comme ceci. Alors je vais désélectionner le point qui est sélectionné en appuyant sur la touche A, me mettre entre deux points, presser la touche Alt et cliquer droit pour sélectionner l'ensemble des points. C'est une façon de faire, mais j'aurais pu faire autrement. Alors je vais redésélectionner, passer ce coup-ci dans la vue de côté, et je veux sélectionner tous les points qui sont en bas. On peut, avec Blender, invoquer une méthode qui s'appelle la méthode Box. Je vais appuyer sur B et mon curseur va afficher des lignes en pointillés. Je vais me mettre à peu près ici, presser le bouton gauche de la souris et traîner ma souris jusqu'à l'autre bout. Voilà, j'ai sélectionné tous les points qui me conviennent. Maintenant, on va compliquer un peu le fond de la tasse. Donc, je vais extruder ces points, E, peu importe dans quelle vue je me trouve, E, valider en e-edge, ne pas bouger ma souris et appuyer sur la touche Enter. Donc, je vais bien créer des points, je vais les dimensionner, S, hop, voilà. Je vais ensuite les extruder encore une fois, E, en e-edge, je valide avec la touche Enter et les déplacer légèrement. Je vais encore les extruder, E, en e-edge, touche Enter, les redimensionner, S, les dimensionner, et déplacer légèrement mon ensemble de points. Je vais encore les extruder une fois, E, on the edge, valider avec la touche Entrée, et faire un scale pour refermer le fond de ma tasse. Je les amène à peu près ici, et maintenant, je vais fusionner tous ces points en un seul point. Donc, la touche W pour avoir le menu W. Ensuite, je me mets sur Merge. Add Center. Il me dit qu'il a enlevé 31 points. Et il a fusionné le tout en un seul point. Je sais que c'est un seul point parce que c'est 1 sur 226. Je désélectionne tous mes points. Et je vais repasser maintenant en mode Objet. J'étais en mode Edit. Je vais repasser en mode Objet. Donc, Edit en mode Objet. Et me voici avec mon objet tasse que je peux ce coup-ci déplacer comme je veux. Donc, mon objet tasse est à peu près correct, mais il a un aspect un peu avec des facettes qui fait pas très 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 joli. Comment faire pour avoir un aspect lisse? Je vais sélectionner mon objet en cliquant dessus avec le bouton droit. La bordure devient rose, donc c'est bien l'objet qui est sélectionné. Et je vais ensuite passer dans la vue qui est en bas, qui contient beaucoup de boutons. Hop. Et ici, j'ai Set Smooth. Set Smooth permet d'adoucir la visualisation de mon objet. Voilà. Mon objet est plus lisse et je me retrouve avec une tasse sans anse. Maintenant,